fort que les autres à la personne ici. Amen. N'est pas monopoliser la parole à qui nous allons présenter l'homme de Dieu qui va prêcher la bonne nouvelle. Je sais qu'il a des saints dans cette assemblée. Et moi, je dis souvent, lorsque l'homme de Dieu passe devant, il transcende même sa famille biologique. Il n'appartient pas à cette famille, il appartient à Dieu. Comme je dis avec lui, qui est mon frère, qui est ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de mon père. Alléluia. Dès qu'aujourd'hui, les portes paroles de Dieu, les saints qui s'y va l'utiliser, bien-aimé, il est pasteur en Allemagne dans l'église, dans les sèches en Dieu d'or. Donc, c'est notre bien-aimé, le pasteur fédé, et j'invite l'église d'acclamer pour la gloire de Dieu. Séparé en anglais, mais streamant d'un côté de la parole, là et d'un côté de la parole. Fred, je vais aussi vous dire, bon, chacun de notre mère pour quelques minutes. Télématologie. Bouger. Nous sommes dans l'assemblée des vivants et nous devons bouger. Dieu me l'a examiné. On y va. Oh,
puissance, l'élévation au ciel. Nous ne voulons pas écouter la vie, Seigneur, mais on voulait écouter ta parole. Car la vie de l'État s'est poussée par le Saint-Esprit et les hommes ont parlé de passe. Oh, le terrain de mon merci pour cet après-midi merveilleux. Merci pour la proximité. Nous te disons seulement merci. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite tous à l'heure pour le Seigneur Jésus. Avant de commencer, je serai vraiment reconnaissant à notre pasteur Bakika qui m'a cédé la place afin que je puisse parler de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez que l'adoration et la louange, c'est les clés pour la délivrance. Donc pour adorer vraiment Dieu, il faut escandaliser Dieu. Alléluia. C'est ça que l'Éternel a reçu. Parce que la vie de Dieu, il siège au milieu de la louange et la grâce de son peuple. Mais bien aimé, nous avons un bon père pour cet après-midi, ou bien pour cette année. Nous parlons à ce qui concerne avec Dieu, nous verrons les histoires. Et il grâcera nos ennemis. Mais bien aimé, avec Dieu, nous ferons des grandes choses. Avec Dieu, nous craserons nos adversaires. Ok. Je dois passer à vous, les gars, afin que nous puissions aller rapidement. Malgré le temps, même ceux qui, notre temps pour moi est à partir, bien, nous avons un peu de temps pour terminer, mais nous allons parler de la partie seconde. Parce qu'il y a quelque chose. Ok. J'ai demandé en tout cas de me donner un peu de temps afin que nous puissions vraiment partager et tenir la parole. Je sais que nous sommes dans un pays de loi, mais si le Saint-Esprit nous amène là où l'Éternel veut, donc nous allons laisser la porte à Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous sommes vraiment d'accord? Amen. Gloire au Seigneur. Ok. Quel est le thème de cette année? Le thème de cette année? Avec Dieu, nous verrons des espoirs. N'ensemble de tout ça dans mon communauté. Mais bien aimé, n'ensemble de tout ça dans mon avec Dieu, nous ferons des espoirs. Donc, vous au côté. Pas tout seul. Ma casse à côté. Pas par ta forme. Ma vie à côté. Pas par ton expérience. Expérience à côté. Même par ton expérience. Mais n'ensemble. Mais avec quand j'ai appris, que quand j'ai entendu cet terme, j'étais vraiment dans la joie. Mais on comprend au moins ce qui dit sur ces versets. Et j'avais compris au moment où j'ai médité sur ces versets. Bible nous dit ensemble. La Bible nous dit qu'il est avec Dieu. Quand la Bible s'en est en train de la Bible est au tableau. Quand je regarde comment est-ce que le monde est conduit, mais on comprend les gens dans tout ça, ensemble et dans son parole. Mais je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas Dieu et qui sont bénis. Alléluia. Ils ont des choses qui nous dépassent nous-mêmes. Ils ont plus riches que les gens. Nous sommes même devenus là travailleurs. Mais Basa Bokidiste. Mais ils sont dans l'occultisme. Alléluia. Oui, pourquoi ils sont ici? Vous savez pourquoi ils existent? Parce qu'ils tous sont ensemble. Puisqu'ils obéissent à leur Dieu, Satan. Alléluia. Ils se prosternent devant les diables. Et ils obéissent à leur Dieu. Ils n'oublient aucune chose. Voilà pourquoi ils sont bénis. Israël était béni. Quand il était avec Dieu. Quand il est marché avec Dieu. Bien aimé être avec Dieu. Et ça pour tout ça. C'est alors
C'est alors au sein et qui sera le désespoir. La roca est soucié. Et les gens croyaient que tu as touché au fétiche. La roca est aussi des âmes. Mais donc, bien que tu as touché le fétiche. Voilà, et tu marches avec Dieu. Et laisse continuer. Et le verset continue. C'est lui. Yeah. C'est lui. Yeah. C'est lui. Yeah. Qui écrasera les ennemis. Abolir et abandonner. Et sa force n'a rien fait. Il faut pas oublier. Le monde a été sous la puissance de l'ennemi. Mais notre roi. Mais notre Dieu. Nicolo, notre Seigneur. Il est au-dessus de nous. Alléluia. Car les amis, c'est important. Et c'est très important. C'est verset pour nous. Et à partir de ce verset. Il y en a une salle d'éternité. Et j'ai un peu sorti comme un montagne. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est Jésus. C'est Esaïe Jésus. Oiseau mérité, adoration. Celui qui mérite ton adoration, c'est Jésus. Mais bien aimé. Parce qu'on a pas de besoin, c'est adoration. Quand on parle de l'adoration, au moment où on a besoin de la salle, tu ne peux pas se procurer devant ton inférieur supérieur. Par contre, la femme doit être colonne. Et tu vas te procurer devant ton supérieur. Ce qui ministre à Béliot. Si le ministre t'appelle, et il t'invite dans son cabinet, quand il va rentrer, il ne va pas le saluer comme il salue d'autres. Puisqu'il est ton supérieur. Mais bien aimé, il faut que nous puissions comprendre la valeur de l'adoration. Ça va qu'il a fait dans son parler. Non, Dieu ne descend pas quand nous parlons en langue. Ah, mais ça va qu'il a fait l'adoration. Qui le chatouille? Où est son salaire ou poussin? Qui le chatouille dans son corps? Et son balai qui capouille des samatas? Et c'est l'adoration qui est pire que Dieu puisse dire. Par un chatigali qui dit. Les sens sont restés dans les spectacles. La soudane. Il regarde. Mais pas au soudan. Pas au soudan. Pas au banane. Mais qui sont ces? Qui sont ces? La salpade. Ils sont mes enfants. Eh bien, mais moi, je me suis appris ça à la table. Tout enfant honore son père. Moi, je suis là qui est dans la magasin. Si un père, un enfant sort avec son papa, il faut dans un moi, dans la maison, il faut dans un chat. Et l'enfant doit choisir chaque article. Ah, il a ça, papa, ça, la mort. Il sait que j'ai un père qui est riche. À consommer la nature. Il peut m'acheter tout. T'as pas souvent le voisin qui est tout. Quand il voit les nouvelles voitures, il va souvent où il est tout. Il dira, achète cette voiture de luxe. Alléluia. Amen. Et moi, et l'enfant, il sait que son père est puissant. Il peut même taper le père, frapper le porte de quelqu'un. Quand tu oublies que Dieu est ton père, si tu n'as pas la connaissance de ton Dieu, tu ne peux pas se prosterner devant lui. Les gens qui t'adorent et maintenant vont commencer à descendre, ils vont commencer à te fuir. Ils vont bien tirer déjà pourri. Mais quand tu es en vie, et oublies qui dit, ça me fait mal.
Si les adorateurs ne nous demandent pas d'entrer dans la parce que là, il y a un sacrificateur. Moi, je dis souvent que vous êtes des sacrificateurs. Regarde là où vous êtes et là où je suis devant la chair. Nous faisons la même chose. Et ça ne dépend pas de là. Puisque ça qui conduit les gens. Et celui des cibles sont des malades. Si la musique ne m'entraîne pas, la lettre va bien au sein. Et je me roule par terre du bico. Bossa va plus par la salle sur la place. Il faut oublier les gens qui sont dans la salle pendant l'adoration. Ce qu'on possède va bien sur les trois. Et si tu oublies toute personne qui est dans la salle, aux hommes et aux hommes bien. Tu manges et tu bois bien. Elle n'a pas de soupe à l'été. Il y a des gens qui n'ont pas mangé. Elle n'a pas de soupe à l'été. Elle n'a pas de soupe à l'été. Elle n'a pas de soupe à l'été. Et les gens se posent des questions. Comment ça y est, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Mais quand ils commencent à se poser, ils se posent des questions. Ils disent que ce n'est pas pour les vies. Mais ça va pas bien pour les vies. C'est pour les jours que les vies. Moi, bien, nous devons changer la façon de la tourner. Nous allons prendre le livre de l'Église des Actes des Apôtres, chapitre 16. Chapitre 16. Verset 31. Verset 31. Actes des Apôtres. L'Acte des Apôtres. Chapitre 16. Chapitre 16. Verset 21. Verset 21. La histoire de l'Église. Nous tous nous connaissons cette histoire. Les histoires. Il y a Paul et Silas. Et c'est l'histoire qui concerne Paul et Silas. Alléluia. Et la personne qui a trouvé cela le premier, qui peut nous faire l'alerte, il demande à la montagne. Qui va s'élever et faire l'alerte. Acte des Apôtres 16. Acte des Apôtres chapitre 16. Amen. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cette ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèdres au cou. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, et en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les geôliers se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte : ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit : Seigneur, que faut-il que je fasse pour te sauver? Paul et Silas répondit : crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Que Dieu bénisse sa sœur. D'abord, pour le nom de Dieu. Paul et Silas. Paul et Silas. Mais ça a été compliqué. Ils partaient ensemble. Moi, c'est mon père et mon mari. Et il y avait une femme qui était possédée. Ah, c'est mon père et mon mari. Elle était possédée. La seule là. Mais elle leur disait, vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous êtes vraiment des serviteurs de Dieu. Donc, ce n'est pas les prophéties qui vous parlez. Ce n'est pas la prophétie. Alléluia. Qui fera faire. Parce que les démons s'y parlent. Oui, c'est les démons qui prophétisent. Alléluia. Voilà pourquoi le monde est dans le désordre, c'est moi. Voilà pourquoi le monde est dans le désordre. Parce que papa, il n'a pas de prophétie dans le miracle. Et les gens veulent seulement les prophéties et les miracles. La Bible, lui, vous voyez, papa, il est là. Mais la Bible, les gens, vous ne les connaissez pas la fouille. Moi, c'est dans ma patrouille. Donc Paul était en plus de Saint-Esprit. Au lieu de Saint-Esprit, pourquoi au lieu de Saint-Esprit? L'esprit qui était dans Paul était supérieur à l'esprit qui était dans Saint-Esprit.
maintenant? Il a chassé cet esprit. Et cet esprit est parti. Et cette femme est libre. Et cette femme n'était pas contente. Alléluia. Elle a accusé Paul et Silas. Et il a dit que ces hommes sont venus donc trouver notre affaire. Et bien les bâtis en prison. Et on a vu Paul et Silas en prison. Mais il a rappelé Paul à sa vie rempli de sens. Et je veux te rappeler que Paul était vraiment rempli de sens. Silas fait les mêmes choses. Et Silas aussi les mêmes. Mais ils étaient arrêtés. Bâtis en prison. Ils les ont mis en prison. Bâtis en prison. Ils les ont frappés. Alléluia. Si c'était vraiment sérieux, on va passer. Mais bien aimé, quelle douleur. Passez avec moi. Et cette souffrance. Passez avec moi. Quelle souffrance. Mais par où a-t-il été monté par la route. Et ils n'ont pas retenu vraiment. Ma fille a dit ça. Ils n'ont pas accusé Dieu. On a dit pourquoi puisque nous savons que nous nous sommes retournés à la prison. Mais ils ne sont pas posés la question. Pourquoi nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais ce qui m'a compris, et au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Au milieu de la nuit, peut-être tu n'as plus sommeil. Et au milieu de la nuit, les gens passent au fatigue. Tu es fatigué. Il a dit, moi, il n'y a pas de problème. Pose-la problème, d'ailleurs. Ou
adoré ce qu'ils avaient. Il a adoré les lâchés. Et les chiens se lâchaient la vie de ce qu'il n'est pas. Il faut que les chiens se lâchent. Et que tu sois libre. Par la puissance. Par la puissance du Saint-Esprit. Adore seulement Dieu. Adore seulement ton Dieu. Bible de l'Ecclésiaste. La Bible de l'Ecclésiaste. Chapitre 9, verset 4. Chapitre 9, verset 4. Il y a encore l'espérance pour tous ceux qui sont vivants. Et là aussi, j'ai dit qu'il n'y a pas besoin de mourir. Quel que soit le temps où tu vis, et le salut de l'Église, peu importe la table où il est tiré. Et Dieu veut te parler aujourd'hui, quelqu'un qui ne soit pas un problème, que ça n'est pas de l'Église. Même si ce problème n'a pas de solution, il y a une question que ça problème à part. Je sais pas si c'est le problème de tes enfants, il y a une question que ça problème à couper. Je sais pas si c'est le problème de ton couple. Mais ça, il y en a une année, il y a une année. Dieu veut te dire, pour ça, commence à adorer Dieu. Mais on a de la raison de Dieu. Moi, je témoigne de ce Dieu. Là, moi, je suis un qui trouve. Et j'ai cet enfant qui a joué à la batterie. Moi, je suis un peu de l'âge de 5 ans. Et cet enfant commence à parler à l'âge de 5 ans. Moi, je suis un peu de la prière à l'âge de 5 ans. Et cet enfant, on a prié, on a fait les propres. La famille, on a jeûné à l'âge de 5 ans. Toute la famille a jeûné. Tout le monde est dans la salle. Mais nous avons pleuré à Dieu. Et je posais la question, je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je marchais d'une manière mauvaise? Mais mon gros amour est la centre de la formation. Et le jour où je suis entré dans le centre de la formation, et là où on forme les gens, les enfants qui ont des problèmes psychologiques, non, pas problème principal. Et j'ai vu même des enfants qui ont eu des problèmes mentaux psychologiques. Mais le Dieu qui est ton père, il fait que tu puisses commencer à faire. Même si ça ne marche pas, il est au bout qui me sort. Alors personne ne s'adresse à son Et là, Dieu n'est pas là.
moi il va donner sa vie. Et il faut qu'il n'arrivera pas à la donner. Alléluia. Mais ça va attendre. Moi je ne vais pas attendre. Mais ça va se baisser. Pardon? Mais ça va se faire se baisser. Et à part le temps plein, je n'avais encore plein de l'église. Encore une fois, nous sommes l'église, c'est ça la première église qui a ça. Et mon problème, nous sommes l'église, c'est ça la première église qui a ça. Et le problème de l'église, je le fais aussi de la même manière. Et ça va pour les gens, ça. Et je dis souvent à mes collègues de travail. Et chaque jour, je me réveille à 4h pour se rendre au travail. Mais regarde pas toutes ces choses-là qui sont dans ton cœur. Quand tu as l'envoi, ils vont sauter. Quand tu as la tire, ils vont sauter. Ne regarde pas tout ce qui te préoccupe. Ne regarde pas tout le bien, mais ils vont sauter. Il ne faut pas se vanter de tout ça. Il ne faut pas te le dire, oui, il n'y a rien, mais il a cédé là. Il ne faut pas dire que mon âme se réjouit. Mais on est des colons. Il faut dire que le nom de Dieu soit glorifié. Il faut dire que ça est là, il est mon attaque. Puisque tu m'as créé à cette époque. Attends, ça va céder. Lorsque Dieu se réjouit, ça va tomber. Et Dieu va te lever. Oh, bébé, il est Shaddai. Oh, le peuple de l'église est Shaddai. Allez, attends, on va pas se couper. Ce matin, quand je prie, ça va le faire. Dieu m'a parlé. Allez, attends, on va monter. Il a dit que le matin, quand tu vas prêcher, après-midi, on va monter. Et l'après-midi, quand tu vas prêcher, il va voir le combat. Et cette parole, tu vas la prononcer. Attends, le nom de Dieu aussi. Quand j'ai vu l'homme de Dieu entrer ici, la vie est l'accomplissement. Mais je dis que c'est l'accomplissement. Et bien, tu connais bien le débat. Et vous savez, la tour où là où vous habitez, vous en assez vivant. Vous êtes vraiment dans le sous-sol. Qui a un amour aussi. Et vous maintenez même le poids de. Qui a vu au lieu aussi. Et le poids de cette fille, c'est tout contre votre. Au comité, c'est qui s'est la salle. Et vous êtes maintenant. Mais bien, ceux qui ont salé ensemble la veille, par requête de prière. Et lorsque vous allez faire le deuxième lit de veille et de requête, au moins, on va tomber dans le sang. Des vos mains du peuple. Alléluia. Ce n'est pas le nom de l'église qui donnera gloire à Dieu. Ce n'est pas le nom de l'église qui donnera gloire à Dieu. Ce n'est pas nos grâces, bien-aimés. Ce n'est pas les grâces. Mais c'est nos genoux. C'est les genoux. Église, pour ça, et au croissant. Faisons tout. Ce n'est pas vrai pour ça ici en moi. Ce n'est pas vrai que vous êtes ensemble. Pour tout ensemble à la chose. Je vais élever le Dieu dans cette vie de la chose forte. On attend pour donner la vie, moi. Lorsque je suis entré dans cette ville. Non, ça va être. Je ne priais pas. C'était à 89. C'était en 1989. Et je m'y mettais dans cette vie. Alléluia. Mais je veux dire, c'est ta grâce, la sauve d'un dame. Et Dieu m'a fait grâce de retourner là où j'étais. Parce que dans la Suisse, c'est un dame par la maladie dans ce cœur. Et la Suisse, c'est le commencement de toute chose dans ma vie. N'importe le secret, ça la casse à le secret qui existe dans cette tour, c'est tient dans vos mains. Donc ce n'est pas un vieux nous, mais si vous aimez le haut, il faut aussi dans la haut. Si toute la responsabilité de cette vie se trouve dans cette tour, c'est l'ignorance que vous avez. C'est l'ignorance qui nous conduit comme ça. Alléluia. Ceux qui ont des oreilles maintenant, c'est l'esprit. Bon, maintenant, maintenant, il va y avoir pour nous, 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 nous. Faisons et je veux montrer que c'est le temps où Dieu veut faire des grandes choses. Alléluia. Amen. Veillez ensemble. Veillez ensemble. À jeûne de prière ensemble. Je de prière ensemble. Là, ma et vous couchez par terre. Et vous élevez le nom de Dieu. Aïe, 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 aïe. Wow. Sans me changer. Si les choses ne changent pas, ça veut dire ça va la santé. Et c'est que Dieu n'est pas vivant. Amen. Amen. Donnez ton cœur d'adoration. Nous voulons rentrer dans un moment d'adoration. La rosée va vraiment commencer à micro et bien vous mettez ça dans la fête et vous voyez la même. Et j'aimerais que vous puissiez arranger un micro là. Nous voulons prier. On va prier. Frère, nous saluons rapidement. Là, il y a des gens qui sont rapidement. Et le groupe de mange va devoir passer des mots. On baisse ça le micro, on ne peut pas faire, on va sur le micro la mission. Et moi je vais prendre le micro. Avec Dieu, nous ferons des grandes choses. Avec Dieu, nous ferons des histoires. Mais si seulement nous avons compris qui est notre Père. Mais si réellement nous avons compris qui est notre Père. Là, parce que vous voyez les gens à la salle.
Et si tu connais bien ton Père, ce sera des grandes choses. Alléluia.
La bouche de ce qu'on a passé